météorologique et des prévisions de Darmanin qui essayait de faire peur avec son arme de la répression, et ben nous étions quand même aujourd'hui 38 000 à Grenoble. On est dans les records et donc on est bien encore en train de croire à la grève générale. Un 1er mai sous le goût de la lutte. Donc déjà le 1er mai, bah voilà, emblématique de la lutte des travailleurs et des travailleuses contre le capital, de cette guerre sociale continue depuis des siècles. Emblématique également parce que, bah voilà, comme à chaque 1er mai, régulièrement, les forces de l'ordre sont intervenues, ce qui a été le cas également ici. Donc ça, c'est le pendant un peu historique, cette lutte où on essaye de garder, préserver, gagner du temps de vie sur notre travail. Et puis évidemment, on est là parce que c'est notre 13e journée de mobilisation face à la réforme des retraites. Donc on ne compte pas lâcher. Là, l'idée, c'est qu'on essaye de se démultiplier en assemblée, en rassemblement, en manifestation. On continue d'aller enquiquiner, voir sceller les membres du gouvernement. Et puis, on espère que l'intersyndicale appellera du coup à la remobilisation par des journées de grève massives. Et puis enfin, ce qu'il faut qu'on construise et qu'on en ait tous conscience, c'est qu'on arrive à construire la grève générale. C'est pas la nation, c'est pas la nation, c'est pas la nation.